Bonjour, évoquons aujourd'hui les ancêtres des ordinateurs. Allons à la rencontre d'un ancien mécanographe installé à Abaret, Henri Minguez. Henri a notamment exercé durant la guerre en Algérie et ce qui était au cœur de son métier est resté une passion. À 82 ans, Henri possède désormais son propre musée chez lui avec 200 pièces, machines à écrire mais aussi machines à calculer, certaines datant des années 1860. Alors, ce mécanographe, c'est à l'époque, en 39-40, je travaillais tonnelier avec mon père. Il avait une tonnerie et mon cousin, Germain, m'a dit « Henri, tu veux pas faire les machines écrites ?» J'ai dit « Bien sûr, c'est mieux que de tourner autour du tonneau là, comme qu'on appelle ça la valse. » Et alors, il m'a convoqué, je suis allé chez lui et là j'ai commencé à prendre le métier. J'ai démonté toutes les machines, pièce par pièce, tout ça c'était démonté. Je travaillais pour la Marine nationale, pour l'aviation, pendant la guerre. Et ensuite, les Américains sont rentrés, je travaillais chez eux. Je travaillais 2-3 ans. La mécanographie, c'est une chose, et c'est comme la mécanique et l'aviation, c'est pas la même chose, quoi, vous voyez. Ça, c'est Rheinmetall, c'est allemand. Allemand, 4 opérations, division et tout, 4 opérations, voilà. Pour zéro, voilà, vous mettez à zéro. Ah, moi, je les rachète si je l'ai pas en stock. Ah, si vous venez avec celle-là, ou celle-là, ou celle-là, je vois, tiens, et ça. Ça, c'était dans les pieds détachés. J'ai encore une boîte que j'ai ramenée de là-bas. Regardez ça. À ce bout-là, je vous dis, regardez. Bonjour quotidien qu'on a oublié de penser. J'ai au sein de ma collection des modèles qui ont compris qu'il vaut mieux une heure de folle passion que de se mentir toute une vie. Je suis un grand collectionneur et jusqu'en Orient, je chine. Ouais, mes enfants, ils feront ce qu'ils veulent. Hein, moi. Pour moi, ça, c'est à moi et personne ne touchera tant que je suis vivant. Quand je serai mort, mon frère, ils font ce qu'ils veulent. J'ai des petits-enfants, si jamais ça leur arrange. S'ils veulent vendre, qu'ils vendent, moi, une fois que je suis plus là. Hein. Le musée est donc ouvert sur réservation au domicile d'Henri Minguez, route de Nozay à Abaret.